bien, bonjour et bienvenue, c'est Psychino Densei. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie du Let's Build Steampunk. Et donc, dans le dernier épisode, on avait fait la base pour pouvoir rentrer dans la maison. Et on avait ajouté aussi une sorte de petit toit adjacent à la structure, histoire de pouvoir, on va dire, servir d'entrepôt au niveau de la base de la maison, qu'elle soit utilisée pour quelque chose, tout simplement. Donc, alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va rajouter un second niveau. Donc, un second niveau un peu comme sur les maisons d'à côté, en fait, tout simplement. Donc, on va ajouter un second niveau. Alors, il faut que je réfléchisse un peu. Je pensais le mettre en plein milieu de la petite structure, ou alors rectangulaire. On va le faire rectangulaire, mais il faut que je définisse un peu le pattern, comment il sera, parce que sinon on peut se faire avoir. Alors, je pense qu'on va le faire comme ceci, vous voyez, de là à de là, vous voyez, et qu'on va tout simplement se mettre dans le coin ici, voilà. Et ensuite, on va remettre donc un second niveau qui va normalement bien le faire. C'est bien, en plus ça s'agence pas mal au niveau, ça me rebouge des parties, donc ça c'est fun. Alors, on va le mettre à partir d'ici, ouais, je présume, avec donc la base là et notre liaison. Comme ceci. Ou non, on va la mettre un cran plus haut, je vais vous expliquer pourquoi. On va le mettre la base un cran plus haut, histoire de pas trop cacher en fait la courbure du toit. Vous voyez, histoire que quand on regarde la maison, on puisse encore tout du moins voir un peu que il y a la petite inclinaison de toit qui fait que le toit est plus bas en son centre que sur les côtés. Donc je trouve que c'est peut-être plus sympathique. Donc bien sûr, j'ai fait toujours impair, hein, bien sûr, sur mes façades, parce que sinon c'est galère. Après, sur cette façade là, j'ai pas du tout compté, on est sur une façade paire, bien mal. Ah, attendez. Ouais, on est sur une façade paire. Donc ça c'est... Non, je ne peux pas, ma conscience s'y refuse, je ne peux pas faire une façade paire. Si je pourrais, mais en fait j'ai juste pas envie. Je ne peux pas faire une façade paire, donc je vais l'agrandir d'un cran, vous voyez, parce que pour les biens de l'humanité, je me dois d'avoir un minimum d'éthique et de respect envers les gens, et donc je me dois de faire de l'impair. Voilà, c'est impératif, je ne peux pas faire d'impair sur ça. On va arrêter avec le jeu de mots à deux balles, mais donc voilà, vous comprenez un peu le problème. En fait, si vous voulez, le faire des façades impaires sera plus facile, ça sera plus simple au niveau de l'agencement de votre construction. Ça sera plus intéressant, en fait, au niveau de l'agencement de votre construction. Après, si c'est pas impair, vous pouvez toujours vous débrouiller autrement, mais c'est pas très très grave. Moi, je me souviens que pour le Let's Build à Noyatown, j'avais des endroits où c'était pas du tout impair. Donc en soi, ça dérange pas. Mais si vous avez le choix, fait de l'impair. Voilà, tout simplement. C'est impératif, je dirais. Oui, je fais des jeux de mots complètement nuls, vous voyez. Mais tu me diras, tant qu'on s'amuse, où est le problème? Alors, soit je fais une très très grande façade, un peu trop grande d'ailleurs, soit je fais une toute petite façade. Mais ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, donc là je vais avoir 3 et là je vais avoir 5, et je vais séparer ma construction. Alors, j'ai pas pour habitude de faire des structures sur le toit assez, aussi grandes, donc je sais pas trop vers quoi je m'oriente au niveau du rendu final. J'espère que ça va bien le rendre tout de même, mais logiquement, je pense pas qu'il y ait un problème particulier. Hein. Et sur cette façade, on va faire 2 d'écart. Hop,
deux d'écart et juste trois en fait sur cette façade-ci. Parce qu'on n'est pas restreint à faire des trucs complètement tout le temps symétriques, donc on peut se permettre de faire des choses différentes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le toit, j'aurais pas besoin de me le retaper. En fait, si, le toit, je vais devoir me le retaper. Donc, il n'y a pas de bonne nouvelle en fait. Il va falloir se refaire un toit. Toi que je ne referai pas, je pense pas en épisode, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je pense pas le refaire dans un épisode, je le ferai sans nul doute en off, pour que ça aille plus vite et pour que ça empiète pas trop sur le let's build, étant donné que le toit c'est quand même assez. Je risque quand même de passer pas mal de temps encore une fois dessus, parce que je vais vouloir faire des choses qui sont pas forcément recommandées. Donc voilà. Alors. Les bûches qu'on a là sur cette verticale, donc les deux bûches à l'intérieur de colombage, on va les prolonger en dessous. Ouais, on va les prolonger en dessous en fait. Oh, hey, mon gars, tu veux jouer avec moi? On va les prolonger en dessous et en fait, elles vont aussi servir de base. Après, si vous voulez mettre une structure dans le toit, vous voyez dans le toit des trucs qui débordent, on va pouvoir. Enfin, moi, je pense qu'il est préférable de se servir de ces structures en bois, en bûche que je suis en train de placer là, qui descendent, eh bien, en fait, qui servent un peu de support à l'étage, au dernier étage, on va dire. Donc, je pense qu'il est intéressant de se servir de ces structures-là, mais pour pouvoir ajouter des choses intéressantes. Alors attendez, là normalement on est à. Voilà. Donc par exemple, imaginons que. Même pas, on va pas juste imaginer, on va procéder de manière structurée. C'est-à-dire que là, je décide, on n'est pas là. De l'autre côté, ouais. De ce côté, je décide de, par exemple, mettre un petit balcon avec un jardin dessus. D'accord. Ou même je peux mettre. Attendez, je vais réfléchir un peu à l'agencement de tout le truc. Non, non. Donc, ouais, ici, sur cette façade-ci, au niveau du toit, je décide donc de mettre comment on appelle ça? Un petit balcon. Un petit balcon, voilà. Donc, petit, quand même assez conséquent. Un petit grand balcon qui sera en fait le support de. Deux, je ne sais plus ce que je veux dire, qui sera en fait le support de. Alors non, là on va mettre du bois comme ça. Je pense que ça peut être marrant de mettre le même bois que le toit. Donc oui, je vais en finir. Là, en fait, ça, le petit balcon que je suis en train de faire, je vais pas le recouvrir de bois. Enfin, si je pourrais, mais là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, puisqu'en fait, ce petit balcon que je suis en train de réaliser aura pour but eh bien de voilà de prendre je vais prendre de la graisse donc de l'herbe et donc la finalité de ce petit balcon sera en fait d'être un jardin avec soit des plantations style blé soit juste un jardin avec des petites feuilles et fleurs soit un jardin avec pourquoi pas un arbre dessus. On peut aller du plus petit au plus grand hein. Mais vous voyez que ça aura une fonction. Donc voilà, là on a notre base placée. Donc pour camoufler la petite terre qui est en dessous, on va prendre comment on appelle ça? Des slabs du même bois qu'on a sur le toit, donc celui-là, le Prousse, et on va tout simplement recouvrir en dessous. Vous voyez, et ça camoufle parfaitement la zone. D'ailleurs, ici, on va remettre des petites fences. Là, c'est très médiéval. Enfin, c'est comme sur les patterns médiévaux. On va aussi peut-être se mettre un petit peu des petits boutons, des petits. Oula! Ah! Des petites pointes de détail. histoire de dire. Donc, bien sûr, les pointes de détail, j'ai tendance à les faire à la base, c'est-à-dire sur la première. Les premières bûches qu'on voit par rapport au niveau à la hauteur, j'ai tendance à les mettre en dur, c'est-à-dire enfin pas en dur, mais en trappe d'or, et ensuite à les mettre en bouton, histoire de faire une différence.
mais c'est pas forcément obligatoire et c'est assez libre en fait au niveau du choix. Donc après, bien entendu, il y aura une porte. Donc la porte, ben, on va la faire à un endroit où c'est relativement plat. Donc là, en l'occurrence, c'est une fake porte, hein, puisque là, sinon, j'atterris de l'autre côté. Comme je vous le dis, je ne fais pas les intérieurs, donc que la porte mène à quelque chose ou non, je m'en fiche un peu en fait. Donc voilà. Alors la porte, je la mets vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur comme vous feriez en survival pour pouvoir choper des monstres. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, la porte est plus visuelle quand vous faites, quand vous la mettez vers l'intérieur. C'est voilà, c'est un simple détail. C'est un simple détail, mais ça permet de, eh bien, de montrer qu'il y a une porte. Vous voyez? Là, on le ressent. On ressent qu'il y a une entrée ici et qu'on peut accéder à cette zone-ci. Donc voilà. Alors pour l'instant, je vais rien mettre sur ce balcon en fait pour le moment, histoire d'attendre en fait de savoir l'agencement qu'il y aura au-dessus, vous voyez, ou ce genre de choses. Vous voyez, pour pas aller plus vite que la musique ne va et pour pas devoir péter en fait ce que j'ai réalisé auparavant et me retrouver un peu dans le. Non, c'est pas celui-là qu'il faut jouer. Et pour pas me retrouver dans le. Bah détruire des trucs qui sont faits quoi, c'est, je sais pas, c'est comme quand si tu fais une dissertation et puis que après t'as fait merde, j'ai oublié de parler de ça, bon bah je déchire le truc et je recommence, tu vois, c'est pas très affûté on va dire. Donc voilà, au niveau de l'agencement du toit. Alors donc là on va juste mettre la clé histoire de dire, donc position 1, hop, position 2 et un petit slash slash walls 159. Voilà, donc là on a mis la clé, vous voyez ça prend 2 secondes. Donc là on aura vraiment notre toit. La question qui peut être intéressante qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'on met en fait sur en dessous. Alors honnêtement, il y a plusieurs possibilités, soit vous remettez de la clé, soit vous mettez du bois. Alors généralement je mets de la clé, donc le bois je sais pas trop ce que ça donne. Je dois vous l'avouer, je sais vraiment pas trop ce que ça donne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Donc on va essayer et puis on va faire des slash walls et puis on va voir un peu eh bien vers quoi on s'oriente et lequel est le plus intéressant. Alors là, ce bois, je sais pas c'est le combien, donc on va voir, on va le découvrir ensemble. Donc avec un petit slash slash walls, le bois c'est 4, 2 points, ça doit être 2.3 je pense celui-là. Ok, alors déjà je suis pas assez haut. Endo. Et en plus j'ai dû me planter. Le bois ça doit pas être 4. Mais ça doit être. Dans 4 c'est la cobble, qu'est-ce que je raconte? Ça doit être 5. Ouais, c'est 5. Je commence à être fatigué, vous voyez ça. Ça fait longtemps que j'ai pris. Bon voilà. Donc soit vous mettez du bois, là en l'occurrence c'est le même bois que le toit. Et je trouve l'intérêt médiocre. C'est pas du tout intéressant, il y a une trop grande unicité, ça casse l'aspect principal du bois du toit qui était avec une forme particulière. Donc honnêtement, utiliser le même matériau que le toit, idée à proscrire, c'est nul. Je vous le dis direct, c'est nul. Donc on va mettre plutôt, voilà, un bon petit, d'ailleurs je l'ai pas mis partout, mais on va mettre un bon petit... les matériaux de nos murs, tout simplement. C'est plus intéressant. Ça casse le toit. Et on n'a pas cet aspect complètement plat du toit. Alors, ici, ce qui peut être intéressant, vous voyez qu'on a une petite possibilité de faire quelque chose. On va... Donc, 1, 2, 3... Donc, 3 d'écart ici. Ah, de la lumière, ça fait du bien. D'accord. Le problème étant, c'est que le problème est que celui-là est pair. Vous voyez, c'est pair, donc je voulais pas faire un truc dessus. Ça serait gâché. Mais ce qu'on peut faire dessus, réfléchissons un peu à un truc qui peut être sympa. C'est pourquoi pas à la base du toit. Donc on va dire un cran au-dessus, donc ici, à la base du toit. D'accord.
à la base du toit, mettre encore une fois un balcon qui sera lui en coin. Vous voyez? Donc un balcon en coin, comme ceci. Donc balcon qui, lui, je sais pas comment je vais le relier encore. Est-ce que, dans la logique plutôt réelle, est-ce que ce genre de structure peut potentiellement tenir? Ouais, dans le pire des cas, ce qu'on peut faire, regardez, si on veut vraiment appuyer l'hypothèse que ça tient, on met déjà ce qu'on a à mettre. Et on va mettre, vous voyez, hop, tac, tac, tac. On va mettre en fait une sorte de câble. Donc de câble qui est là pour dire, hop, regarde, moi je suis un câble et je tiens la structure. Et oui mon gars, je soutiens la structure pour pas qu'elle se casse la gueule, pour le dire un peu plus facilement. Et avec, bim. Bon, ça c'est peut-être moins intéressant, mais... Mais donc voyez, avec une petite structure pour dire que et bien que ça tient, et bien entendu on fait nos petits trucs tranquillement, et histoire de dire que le bout ne s'arrête pas comme ça, hop hop, et voilà. Donc là on a une toute petite structure assez intéressante, un petit balcon assez intéressant sur lequel on peut mettre aussi une jardinière, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc voilà. Alors, ce que je pensais, mais c'est pas juste checker le temps. Ok. Alors, ce que je pensais, c'est que... on va peut-être pas le mettre tout de suite, mais logiquement, les moulins à vent, la logique voudrait qu'on les mette quand même pas mal en hauteur, histoire que ça prenne le vent, quoi. Donc je pense que là, on va mettre une éolienne, donc un moulin à vent, plutôt sur la partie haute de la structure, donc sur cette partie-ci. Donc après, laquelle sera la plus intéressante, logiquement, il faudrait la mettre dans un coin, enfin dans ce genre de cas de figure, pour que ça puisse passer. Sauf que le problème est mon toit, en fait. Mon toit va pas mal bloquer mon moulin à vent, donc ça va être assez problématique sur ce point. Quoique ici, vous voyez, je peux quand même avoir une marge intéressante. Je peux me faire une avancée avec un moulin à vent pas trop collé. Donc on va tester un peu ce cas de figure là pour voir un peu vers quoi, si ça peut être intéressant ou non de faire quelque chose. Donc hop, ici, on prépare un moulin à vent. Donc, je modifie aussi la structure du toit. Donc là, le toit, je le ferai... comment dire? Ok. Bah là, il y aura une extension de toit, en fait, tout simplement. Donc, je ne vais pas la faire tout de suite. Je ferai le toit tout seul. Mais donc là, on aura une extension de toit. Et notre moulin à vent, on va essayer de le prolonger. Histoire que ça passe devant. Mais là, ça va être quand même assez galère. Ça va quand même être assez galère. Donc ça en soi c'est assez chiant. Donc au pire on va le prolonger ici. Même si on cache la structure du haut du toit, c'est pas trop grave. Hop, on va faire l'avancée là où on peut en fait, hein, puisque là c'est plutôt ça. Hein. Donc voilà, on aura le toit ici, donc cette partie-là saute. Et ensuite, on aura donc ici la partie en dur, la partie du mur. Donc bien entendu, je fais pas une maison pour y vivre, parce que vous voyez bien que vivre dans des couloirs, bon, c'est possible. Hein, je l'avais déjà démontré dans un let's build, je crois que c'était le let's build du village dans les îles. Mais vous voyez que vivre dedans, c'est quand même assez galère. Alors cette partie va sans doute sauter, hein, je pète des blocs histoire de dire. Là bien entendu, il faut que je... Logiquement, il faut que je prépare ma base. Hein.
faut que ça puisse tenir. Voilà. Et je crois qu'on va le, hop, on va le laisser comme ça. Oui, avec deux paires de bûches en fait. Je trouve que c'est un charme, peut-être un peu. C'est un petit charme en fait. C'est son petit charme. Parce que c'est un peu plus épais, vous voyez, ça fait un peu comme une tresse. Et au niveau visuel, c'est assez intéressant. Ça fait moins fin et ça fait plus vraiment pilier de soutien diagonale, donc équerre plutôt. Non, franchement, c'est sympa de faire ça. Après, ça dépend de vos goûts, comme je vous le dis. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Donc, si j'aime bien, je le fais, tout simplement. Franchement, faut pas se prendre la tête, hein. Donc, beaucoup de fans. Voilà. Et ici, on va donc mettre le moulin. Donc, j'ai prévu l'entrée. Normalement, c'est pile poil au milieu, vous voyez. Et ensuite. Ensuite, on va juste faire un. Histoire de dire que ça tourne. Hop. On va juste faire un. Peut-être plus collé. Ça paraît bizarre collé, mais. On n'a pas le choix. On va prendre des escaliers. De stone brick. On va les mettre aux quatre coins. Voilà, comme ceci. Donc, ici, j'aurai les pales de mon moulin. 2, 3. 1, 2. Hein, je fais ça de l'autre côté. 1, 2, 3. 2, 1. Et je le refais encore une fois au-dessus. 1, 2, 3. Dans quel sens? Celui-là. 2, 1. Voilà. Et ensuite en dessous. 1, 2, 3. 2, 1. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les. Il n'y a plus qu'à mettre les. Comment on appelle ça? La laine. La laine, histoire de dire que bah, et ben que c'est un moulin, tout simplement. Alors, soit on met de la laine, soit on met de la clé. Excusez-moi. Ça dépend en fait du bah, de vos goûts. Là, en l'occurrence, je vais mettre de la laine, histoire de bien montrer l'aspect un peu ben, tissu en fait. Tissu du matériel. Ouais, donc je serai pas trop collé, j'espère. Attendez, alors soit je le fais tac 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 tac, voilà comme ceci. Donc alors la première couche sera collée et débordera d'un cran. Ok. Alors je fais toutes les pales d'un coup. C'est un peut-être un oh, petit conseil, c'est de les faire tout en même temps parce que en fait moi je sais que bon ça m'arrive souvent, mais après j'ai souvent la tête en l'air quand je joue à Minecraft. Mais après je sais que j'oublie en fait. La façon de procéder sur que j'ai fait sur une pale, d'une pale à l'autre en fait. Et donc je préfère les faire toutes d'un coup. Non, alors on va l'allonger d'un cran, celle-là. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite derrière, eh ben, on fait juste le prolongement en fait. Comme ceci. 2, 3. Alors non, cette partie-là, on va la faire sauter. Histoire d'avoir ce côté arrondi de la pale. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on termine avec la petite boucle. Également sur la partie supérieure, enfin la dernière partie, hein, tout simplement. 1, 2, 1, 2 et la dernière boucle. Voilà. Donc là, on a déjà la pale qui a une forme intéressante. Donc ce qu'on peut faire, limite, c'est relier les deux coins au milieu. Et logiquement, là, je crois pas qu'il y ait besoin de faire autre chose. Parce que là, ça a une forme quand même assez agréable à l'œil. Donc voilà, ça c'est sympa. Alors après, on va juste mettre des petites fences dessus. Voilà. Pour bah mettre du détail tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de on peut pas mettre beaucoup de profondeur dans ce cas-là et on met un petit piston au milieu, voilà, ça le fait bien. Ou alors on peut faire ça, moi je le fais souvent, c'est des petits une sorte de petite, on va dire une sorte de petite vis, pseudo vis. C'est pas forcément très utile en soi dans le concept, mais ça a son petit charme, vous voyez, ça donne un autre mouvement dans le mouvement. Vous voyez, donc je trouve ça sympa. Donc voilà,
on a notre petit moulin qui est réalisé. Et là, après, il faut y aller au niveau en mode un peu logique. Bon, 25 minutes, on fera ça dans le prochain épisode, mais il faut y aller un peu en mode logique. C'est-à-dire que ce moulin engendre d'autres engrenages qui eux-mêmes engendreront autre chose. Donc là, à partir de maintenant, ça va pouvoir être intéressant de mettre des roues, de mettre ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous inquiétez pas, je lis tous vos commentaires. D'ailleurs, il y en a eu un très intéressant. Je vais le mentionner dans cette vidéo, comme ça vous pourrez me le rappeler si j'oublie dans les prochains épisodes. C'est que en fait, pour les patterns, quelqu'un les trouvait un peu trop clean. Ça aurait été préférable pour lui de les. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, Pyro Fisherman, il me semble. Ça aurait été préférable pour lui de mettre un peu plus de fouillis, on va dire, que ça soit moins carré, que ça soit plus destroy. Ce n'est pas les termes qu'il employait. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est peut-être en fait. Le steampunk fait un peu comme si c'était de la récup, c'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que les patterns qui sont là, par exemple, au lieu d'avoir deux fence, deux trucs de chaque côté, gardez par exemple, cette composition-là, mais au lieu d'avoir des slabs complètement clean, changer des slabs avec d'autres slabs. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, je mets une slab comme ça, l'autre, je la change. Et ça, je trouve que ce petit détail peut être intéressant pour le steampunk. Mais je pense qu'il faut quand même conserver l'aspect unitaire de tous les patterns. Vous voyez, comme ceci, ils sont tous identiques, les patterns. Enfin, ils sont tous sur la même base. Mais je pense que changer juste ces blocs, les blocs qui se répètent sur le pattern avec d'autres blocs. Du même niveau, de la même catégorie, mais pas forcément de la même texture, ça peut être marrant, vous voyez, comme cet exemple. Donc voilà, si j'oublie dans les prochains épisodes, essayez de me le rappeler, parce que en fait, là, je poste une vidéo et je tourne le prochain épisode après avoir posté, donc j'ai le temps de voir vos commentaires d'une vidéo sur l'autre. Donc voilà. Donc voilà, essayez de me le rappeler si je l'oublie. Et puis, partagez vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!